Merci Yves Manuel. Et tant qu'on te dit, nous allons aller dans Boston, côté Jean-Mose Villenia, ancien magistrat les Iois, comparaît encore devant un tribunal fédéral dans Boston. C'est quatrième journée. Nous avons sous place le journaliste Erlich Dorela. Erlich Dorela, c'est témoin qui continue à passer. Et question que tu as posée, c'est qui Jean que accusé à lui-même en parlant de ancien magistrat Villenia, qui expression visage, qui genre vive moment ça. Bon, Jacqueline, c'est quatrième journée à Jean Dilla, ce magistrat Jean-Maurice Villena, lorsque témoin a parlé, c'est la psouque pied la batabla, car ouais, à chaque fois témoin a bref et retracé événement yo de bayane yo sacrifié moun qui était mouri, ouais magistrat psouque pied la batabla, mais elle sortit après elle sortit dehors, elle prend pause, car ouais que les bien relax et l'a marché, mais au cas ouais très stress là, il est présent dans le visage ancien magistrat. Et nous connaissons que demain, il y a une autre séance. Quoi? Ça nous attend, ça gagne au menu pour la séance demain. Demain, c'est magistrat qui va monter sous chaise là pour capable de voir comment récit a été passé, comment événement a été passé. Il va lui poser la question. Son journée qui a annoncé très intéressante parce que avocat qui défend les victimes, il va lui poser questionner magistrat. Et avocat magistrat va lui poser la question pour les mêmes relater comment ça a été passé en 2007, en 2008 et en 2009. Il y a un petit rappel, Erlich Dorela, ce sous qui ça a reproché et ancien magistrat les IOA, Jean-Maurice Villenia. Le prochain magistrat, que le tableau des droits mondes, que l'année 2007, il a tiré Ecclesias Boniface, c'est Frère David Boniface. En l'année 2008, il a boulé Radio Vision Nouvelle dans la cour Les Irois. Et il a boulé 36 cas en l'année 2009, dans la même commune, ça, Les Irois, quand il était magistrat. Merci, Erlich Dorela. Tu as parlé avec nous depuis Ville Boston, dans l'État Massachusetts, sous et procès qui commençait depuis lundi, côté que Jean-Maurice Villenia l'y trouvait devant Yon tribunal et demain encore la bien pour comparaître devant le tribunal. Là, cette fois-ci, c'est lui qui a parlé la version parle des faits. Donc, rendez-vous demain avec Erlich Dorela. N'importe quelle actualité, surtout concernant les États-Unis, il y a un département défense, on a parlé de Pentagone, qui publie aujourd'hui une vidéo sur incident jet militaire russe avec un avion téléguidé militaire américain. Serge Rodriguez.